Waouh, regardez. L'alarme de la princesse a fait bouger la statue de pierre. Que s'est-il passé? Suivons War of the Tales avec l'histoire d'aujourd'hui. Elle était une fois dans le royaume magique d'Amalia, qui était gouverné par le roi sage Alma et la douce reine Bena. Le roi et la reine s'aimaient tellement, et leur amour s'est rapidement épanoui. Elle attendait la naissance des princesses jumelles. On s'attendait à ce que ce soit un heureux événement de tout le royaume. Mais quand les princesses sont nées, la chose n'était pas comme ça. La sœur était vraiment belle avec les cheveux blancs. Mais la jeune sœur avait un visage triste avec des cheveux foncés et des couleurs étranges. Le roi et la reine furent bouleversés par son apparence. Mais l'amour pour leur fit oublier immédiatement. J'ai entendu une ancienne prophétie selon laquelle, lorsqu'une princesse aux cheveux noirs mystérieux et aux couleurs différentes des yeux naîtra, ce royaume périra. Le roi et la reine regardaient joyeusement leur fille. Votre Majesté, je regrette de vous le dire, mais la naissance de la princesse Brenna est une menace. Quoi? Comment? Dites-moi clairement. J'ai entendu une ancienne prophétie selon laquelle, lorsqu'une princesse aux cheveux noirs mystérieux et aux couleurs différentes des yeux naîtra, ce royaume périra. Alors, que devons-nous faire maintenant? Que suppose faire Brenna? Peut-être avons-nous un dernier moyen. S'il vous plaît, laissez-moi emmener la princesse loin de ce royaume. C'est le seul moyen pour nous de sauver le royaume et la princesse. Si c'est le seul moyen, alors prenez soin de Brenna. Nous vous serons redevables pour le reste de notre vie. Il pensait que la petite princesse Brenna serait en sécurité quand elle sera élevée par le sorcier. Mais le roi et la reine ne s'attendraient jamais à ce qu'il y ait envoyé le renard garder le poulailler. Petite princesse, tu as un grand pouvoir, tu le sais. Ce pouvoir m'aidera à renverser ton père confiant. J'ai vraiment hâte que tu grandisses. Si je pouvais vous enlever ce pouvoir par moi-même, je ne perdrais pas autant de temps et d'efforts. Par conséquent, petite princesse, grandis vite et donne-moi ce pouvoir. Pauvre petite princesse, regarde, tes parents n'aiment que ta sœur et t'ont abandonné depuis que tu es bébé. Heureusement, je t'ai amené ici et je t'ai élevé. Honnêtement, je me sens vraiment injuste pour vous. Donnez-moi votre pouvoir. Je vous aiderai à ramener votre justice. J'ai besoin d'un peu de temps. Je crois que mes parents doivent avoir leurs propres raisons en faisant cela. Et ils ne voudraient jamais me laisser derrière. En raison de cette pensée, un jour, quand Paul était loin du château, Brenna s'est faufilée pour trouver le chemin de retour à leurs parents. Tristement, quand il a atteint le château, il a vu l'image de sa sœur et ses parents marchant ensemble, souriant joyeusement. Ils ont vraiment aimé et choyé sa sœur aînée. Et Brenna était seule dans le coin sombre. J'ai accepté de te donner tout mon pouvoir pour le reste de ma vie. Je veux juste rester ici, loin du monde extérieur. On a ri à voix haute et a immédiatement jeté un son pour aspirer tout le pouvoir de Brenna. Après avoir eu la puissance de Brenna, Paul sourit de satisfaction et frappa immédiatement Brenna au doigt. Puis la retenait dans le château avec une clôture de vigne épineuse. Il se rendit rapidement au royaume et attaqua l'autre. Le roi et la reine ont combattu férocement, mais il avait un grand pouvoir à cette époque. Elle n'était pas de taille pour lui. Aurélie, va sur la plus haute montagne du royaume pour trouver et protéger ta petite sœur Anna.
Vous deux, vous êtes le dernier espoir de ce royaume. En écoutant son père, essuyant ses larmes, Brenna alla chercher sa sœur. Aurélia a suivi les instructions de son père. Et elle a pu trouver l'endroit où sa sœur était détenue. Mais elle était bloquée par la clôture épineuse. Elle voulait couper la clôture épineuse. Puis il jeta un sort pour trouver apparaître une épée légère. Elle n'avait pas d'autre moyen que d'accepter l'épine pour se percer dans la douleur. Elle a essayé de la traverser rapidement pour trouver sa sœur. Traversant la clôture épineuse, elle grimpa rapidement jusqu'au sommet de la falaise montante pour entrer dans le château. Mais quand il a glissé parfois, mais elle n'a pas abandonné. Après avoir atteint le sommet de la montagne, elle entre immédiatement dans le château et vit sa sœur allongée faiblement sur le sol. Les larmes aux yeux, elle se précipita rapidement pour élever sa sœur et utilisa sa puissance légère pour guérir toutes les blessures de sa sœur. Après avoir été guérie par sa sœur, Brenna se réveille progressivement. Brenna, finalement tu t'es réveillée. Le royaume est maintenant en danger. Je suis vraiment en quête que je t'ai aussi perdue. Ma sœur, tu t'inquiètes vraiment pour moi? De quoi parlez-vous? Pourquoi ne pas m'inquiéter pour vous? Les parents ont risqué leur vie pour combattre Paul, mais ils ont toujours pensé à toi et m'ont dit de te protéger. Il s'est avéré que je me suis trompée sur tout. Paul m'a fait croire que j'avais été abandonnée par ma propre famille et m'a dit de lui donner tout mon pouvoir. C'est moi qui ai fait du mal à nos parents. Ça va, ne pleure pas. Personne ne te blâmera. Ma sœur, retourne juste chez nos parents. D'accord, alors allons-y. De retour au palais, les deux étaient vraiment blessants quand voyant les parents de Paul ont été aspirés tous leurs pouvoirs. Et puis ils ont été transformés en pierre. Brenna était tellement en colère qu'il a tout ignoré. Elle s'est précipitée là-bas pour attaquer Paul. Cependant, sans son pouvoir, elle a été gravement battue par Paul. Aurélia s'est levée pour protéger sa sœur. Elle a utilisé tout son pouvoir pour lutter contre Paul. Mais elle a aussi perdu rapidement et tout son pouvoir a été aspiré par Paul. Brenna, fuis, vite, va dans un endroit sûr et mène une vie heureuse. Toute notre famille t'aimera toujours. Brenna ne se souciait pas des blessures. Elle s'est précipitée là-bas et a blessé sa sœur. Paul sourit habilement et destine à finir Brenna. Cependant, miraculeusement, quand Brenna pleurait et tenait sa sœur, sa larme tombait sur le corps de sa sœur, où son corps était. Le sang trembla immédiatement. La statue craqua et la ramena sur elle. À ce moment précis, les deux sœurs savaient que le pouvoir suprême qui pouvait aider à vaincre la force obscure était le pouvoir de l'amour, le lien entre leurs âmes. Elles souriaient et se tenaient la main. Une aura les recouvrait. Ensemble, ils jetaient un sort pour faire apparaître le sceptre sombre et le sceptre clair. Ils regardèrent avec confiance et finirent ensemble le même. Ramenant la paix au roi. Après avoir vaincu Paul, les deux sœurs ont immédiatement jeté un sort pour ramener le roi et la reine et se sont embrassés joyeusement. Le roi a également donné le trône aux sœurs. À partir de ce moment, les gens vivaient en harmonie et de bonheur, sous la reine des deux reines. Que ces momies soient ressuscitées sous la lumière de ma magie de la foudre et rejoignent mon armée. Allégeance pour toujours à la sorcière Stella. Exactement, coopérons avec les vieilles momies et ensemble montrons une forte énergie pour me donner plus de pouvoir et ainsi me venger de la famille de Sabrina.
Vainque la famille de Sabrina. Oh non, ça ne fait que quelques heures, mais l'énergie de la foudre n'est pas assez puissante pour soutenir les vieilles momies. Elles sont sur le point de disparaître. Non, ne disparaissez pas. Ah, je suis tellement en colère. Et c'est vrai que sans la foudre magique, comme lorsque j'étais dans la grotte de l'éléphant, je ne pouvais ressusciter que pour une courte durée. Mais même comme ça, je dois encore travailler dur pour apprendre la magie de la résurrection et faire payer à Sabrina pour ce qu'elle a fait à mes sœurs. Pourquoi y a-t-il du tonnerre? Le ciel était pourtant si éclairci aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je viens de voir un nuage magique avec un visage bizarre en train de chasser Sabrina. Reste ici, je dois découvrir ce qu'il se passe. Sabrina, hein? Ce nuage est sur le point de nous rattraper. Ne t'inquiète pas, avec ma vitesse, aucun nuage ne peut nous rattraper. Oh. Accroche-toi au balai, oh. On y va. Oui, tu voles aussi très vite. J'ai hâte de rejouer avec toi la prochaine fois. Et maintenant, c'est l'heure de nettoyer. C'est ton livre ? Il a l'air tellement intéressant. Qui est-ce ? C'est la reine d'Égypte. C'était une guerrière très puissante qui s'est battue avec de nombreuses personnes contre l'araignée géante du tonnerre. Bien qu'elle ait été capable de sceller l'araignée, son bâton magique a été cassé. C'est une histoire très intéressante. Mais si l'exercice consiste à lire des livres comme ça, c'est trop ennuyeux. Je compte utiliser l'horloge pour aller en Égypte et faire de meilleures recherches. Génial ! Je veux aussi rencontrer cette courageuse reine égyptienne. Allons-y ! Sabrina la pierre qui peut aspirer et créer des esprits? Je dois les rattraper pour voler cette pierre. Et comme ça, les créatures que j'ai créées vivront plus longtemps. Est-ce l'Égypte? Qui sont ces gens? Ils ont l'air bizarres. Ce sont des momies qui gardent cette tombe. Cool! J'imagine que la reine égyptienne est incroyable. Emmène-moi la voir. Prêt à recevoir les ors de la sorcière Stella. Cette créature aussi est intéressante. Oh, elle est tellement belle et puissante. Je veux lui parler. Hé, hey, ne cours pas si vite. Bonjour, reine égyptienne. Je m'appelle Sabrina. Avez-vous créé les momies qui gardent les tombes? Je veux aussi avoir des momies comme ça. Pouvez-vous m'enseigner à les créer? Et comme Alex m'a dit que vous étiez une grande guerrière, je suis fan de vous. Et... Alex, est-ce que j'ai tellement manqué de respect à la reine qu'elle ne m'a pas répondu? Nous devons être perdus. Cet endroit a traversé 1000 ans d'histoire. Donc la reine d'Égypte et les momies ici ne sont plus en vie. Est-ce que je peux utiliser la pierre des esprits pour lui donner vie? Bonne idée. Oh, la reine égyptienne est maintenant en vie. Je suis Sabrine. Arrêtez! Quel fauteur de troubles! Vous avez réveillé le sommeil millénaire des momies ici? Vous devez recevoir une punition! Sabrina, hein? Fais attention! Nous venons récupérer la pierre des esprits pour la sorcière Stella! La reine vient d'attaquer les momies? Et pas nous, n'est-ce pas? Désolée de vous surprendre, et merci de m'avoir ressuscité. J'ai l'impression que la magie noire contrôle tout, sauf vous deux, ici. Restez derrière moi, je vous protégerai. Très bien, reine, nous nous battrons ensemble.
Hein ? Waouh, Alex, tu es si intelligent ! On va y arriver ! La pierre d'âme de... Sabrina ? J'ai enfin la pierre ! Qui es-tu ? Rends-moi la pierre des esprits ! Je suis la sœur de Vulca et Joy, que tu as détruite. Je t'ai suivie jusqu'ici et j'ai utilisé de la magie noire pour récupérer la pierre des esprits. Je ne te laisserai pas gagner. Prends ça! Attention, Sabrina. Ne l'attaque pas et cette araignée. Sinon... Sabrina, est-ce que ça va? C'est l'araignée que j'ai enfermée il y a 1000 ans. Ses mains électriques sont capables d'absorber le pouvoir de la magie et de contre-attaquer. Ma baguette magique a également été brisée à cause de ça. Je vais bien, mais si je n'utilise pas la magie, comment vais-je le vaincre maintenant ? Je ne m'attendais pas à ce que ce monstre ait des pouvoirs de contre-attaque aussi bons ! Vous ne pourrez jamais m'attraper ! Et si on utilisait le pouvoir scientifique de la bombe à glace et ce bras robotique pour contrôler les mains de l'araignée? Éliminons-la! Araignée, obéis et sois à nouveau scellée! Yeah. La pierre des esprits. Si je ne peux pas avoir cette pierre, tu ne l'auras pas non plus. Sabrina, attention. Reine, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, mais sa magie est trop puissante. Sois prudente pendant tes prochains combats. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à sceller à nouveau l'araignée. Vous êtes de courageux guerriers. Merci beaucoup, Reine. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos derniers exploits avec l'araignée géante du tonnerre ? Bien sûr, je vais vous raconter. Je reviendrai. Fairy Tales.